fil de la rue, c'est partout en France. Si vous voulez bien passer un coup de gueule, un coup de cœur, n'hésitez pas, c'est votre émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dimitri Media TV. Nous faisons une spéciale aujourd'hui à Nancy pour les élections et pour votre émission au fil de la rue. Vous me suivez ? Est-ce que vous avez été voter aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui, j'ai travaillé. Eh oui, nous sommes allés voter. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui ? Non, absolument pas. Et vous, monsieur ? Non plus. Et la semaine dernière, vous aviez voté ? Oui, j'ai voté. Oui ? Et pourquoi vous... Ah oui, parce que vous avez travaillé ? Oui. Donc, et qu'est-ce que vous pensez ? Vous aviez un champion dans la tête ou... Non, il n'y a pas de champion. Non. J'ai été voté et j'ai voté pour personne. Et pourquoi vous n'avez pas été voté ? Parce que je m'en tape. Est-ce que vous avez été voté ? Oui, on a été voté. Et vous, madame ? Oui, aussi. Ensemble. Très bien. Vous avez été voté à Nancy, alors ? Non, sur notre route, on a été juste avant de partir, on s'est arrêté à côté de chez nous, quoi. Donc vous étiez super motivé pour aller voter alors ? Oui, oui, oui. Vous avez aussi voté au premier tour ? Non, parce que j'ai pas pu. J'étais pas au domicile, donc comme la règle. Vous étiez pas sur place. Et oui, ça c'est le problème avec les procurations qui sont interdites. On ne peut pas. Et vous, madame, au premier tour, vous avez été votée ? Non, je suis pas allée voter. D'accord. Vous avez pas eu le temps ? J'ai complètement oublié. Vous avez confiance en votre poulain, votre champion ? Vous ? Moi, oui. On va dire oui, oui. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup d'affluence aujourd'hui dans les bureaux de vote. Est-ce que vous avez confiance en votre champion ? Ben, j'espère bien. C'est pour ça que je me suis déplacé. D'accord. Donc vous vous attendez là, dans les rues, pour avoir le résultat ou pour profiter de la place ? Pour profiter déjà de la place et puis après on va rentrer chez nous pour voir les résultats. Eh bien, je suis toujours là, sur cette belle place Stanislas. Je suis contente parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup d'affluence dans les bureaux de vote. Après, il n'y a pas grand monde encore dans les rues. Donc ben, écoutez, on va essayer d'aller les chercher. Je ne désespère pas. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Est-ce que vous avez été voté aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors ? Et le premier tour aussi ? Oui, bien sûr. Est-ce que les débats vous ont fait changer de poulain ou vous avez conforté votre premier choix ? J'ai conforté mon premier choix. D'accord. Oui. Donc là, vous attendez avec impatience les résultats ? Oui, bien sûr. Vous allez faire la fête après ? Ben, j'espère, oui. Le champagne ? Oui, aussi. On espère qu'on en boira une petite coupe avec vous, alors. Bien sûr. Voilà. Donc je... Vous êtes, vous croyez donc en l'avenir de la politique, je suppose. Oui, bien sûr. C'est très bien de rencontrer des gens comme vous. Donc nous venons d'avoir les résultats de la primaire de la droite et du centre. Le grand gagnant est François Fillon. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? Bien, écoutez, déjà, je voulais vous dire que nous sommes ravis de la mobilisation qu'il y a eu autour de cette primaire, sur laquelle voilà, il n'y a eu aucune malveillance, tout s'est fait dans les règles de l'art, donc ça c'est plutôt positif pour notre démocratie. Donc ça déjà je tenais à le dire, on pouvait penser qu'au deuxième tour il y aurait une démobilisation, on voit que, alors bon je ne suis pas encore tout à fait certaine des chiffres, mais il semblerait qu'il y ait une augmentation de 4 à 5% du taux de participation et ça c'est une belle chose. Bon maintenant, évidemment je ne vais pas vous dire que nous sommes ravis, voilà c'est une déception c'est clair, mais la déception clairement nous l'avons eu dimanche dernier, parce que c'est un score auquel on ne s'attendait pas du tout. Voilà. Alors nous sommes restés mobilisés au Parti Radical, derrière d'ailleurs Laurent Hénard, notre président, pour soutenir notre candidat, même quand la situation était difficile, parce que quand on soutient quelqu'un, on va jusqu'au bout. Voilà, nous sommes mobilisés toute la semaine, nous avons tracté, participé à son meeting. Bon, je crois que les Républicains et les centristes ont choisi probablement de se tourner vers le candidat qui à leurs yeux avait plus de chances de gagner, et c'était clairement François Fillon. Voilà. D'accord, merci Catherine. Alors maintenant l'heure, il est au rassemblement. Est-ce que vous pensez que ça va être facile ? Alors écoutez, je crois qu'il faut laisser le temps au temps, quelques jours. Nous nous réunissons en comité de direction au niveau du Parti Radical avec Laurent Hénard la semaine prochaine. Si vous voulez, vous me recontactez dans quelques jours et avec plaisir je vous répondrai. Là pour le moment, je crois que les réflexions à chaud, elles sont toujours un peu épidermiques et je ne veux pas du tout rentrer dans ce schéma. Bien évidemment, nous avons toujours dit que notre but c'était de combattre le Front National et évidemment de faire en sorte que ce ne soit pas la gauche qui soit à nouveau au pouvoir. Voilà, maintenant nous allons discuter et je suis à votre disposition pour évoquer la situation dans quelques jours. Eh bien, je vous remercie beaucoup Madame Crière et à une prochaine fois. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.
Eh bien, c'était votre émission au fil de la rue pour Dimitri Média TV. Notre spéciale élection est maintenant terminée. On se retrouve pour les prochains débats concernant les primaires de la gauche. À bientôt. Merci. Les élections présidentielles, vous allez y aller? Ouais, là par contre, j'aimerais bien. Oui, également, j'irai.